Telle une source inépuisable d'informations, la Seconde Guerre mondiale inspire chaque année des auteurs, comme si ces derniers s'étaient donné pour mission de rappeler cette tragédie humaine aux futures générations. Pour cette raison, bon nombre d'œuvres n'attendent qu'à être dévorées. Encore faut-il leur accorder un intérêt, une valeur. Ah, OK, on écoute bien, s'il vous plaît. J'ai eu à mon devoir à lire un extrait de La Seconde Guerre mondiale écrit par Philippe Goddard. Alors, le but de ce texte-là, c'est que d'en apprendre un peu plus sur ce que c'est la Seconde Guerre mondiale. Vous aviez quelques questions à répondre? La première question, c'était de savoir en quelle année avait eu lieu la Seconde Guerre mondiale. Qu'est-ce qui est capable de répondre? Oui, Claudia? De 1939 à 1945. C'est en plein ça. Qu'est-ce qui a déclenché la Seconde Guerre mondiale, vraiment? Oui, Corinne? Après avoir annexé l'Autriche, l'Allemagne envahit finalement la Pologne. C'est alors que la France et l'Angleterre, désapprouvant les comportements de l'Allemagne, lui déclarèrent la guerre. C'est parfait, c'est complet. Vous avez tous eu ça comme réponse? Oui. Ça va? Comme deuxième lecture, l'enseignante présente le journal d'Anne Frank, en mettant l'emphase sur le fait que le personnage principal est une jeune fille juive de leur âge, dont le journal intime a été sauvegardé. À partir des notes cumulées pendant leur lecture, chaque élève doit maintenant se mettre dans la peau d'un personnage, un occupant de l'annexe, autre qu'Anne Frank, et écrire une page de journal intime. Après ce projet d'écriture, les élèves manifestent le désir d'en apprendre davantage sur les conditions de vie des Juifs à l'intérieur des camps de concentration. C'est pour cette raison qu'est présenté le film « La vie est belle ». Pour compléter cet aspect de la Seconde Guerre mondiale, les élèves lisent un extrait de la BD « Maus » dans lequel ils devront compléter quelques phylactères. Avec le soutien de la bibliotechnicienne, différentes sources d'informations sont présentées aux élèves qui devront réaliser une petite recherche sur un personnage historique et un objet technologique associé à la Seconde Guerre mondiale. Une fois la recherche complétée, en équipe de quatre, les élèves partagent les résultats de leur recherche, ce qui leur permet de bâtir d'autres paires culturelles. En tout cas, vous faites bien sauter sur tout ce qu'il vous faut tout de suite parce que du train que ça va là, il restera plus de planches dans les magasins à vendre. L'enseignante présente le recueil de 7 extraits choisis des Fridolinades, une revue humoristique de l'actualité des années 30 et 40, écrite par Gratien Gélina, un pionnier de la dramaturgie québécoise. Une fois que les élèves ont complété leurs analyses du contexte socio-historique et des registres de la langue des Fridolinades, les élèves en font une lecture expressive en classe. Après avoir entendu la lecture de Coltaille, j'aimerais savoir quels sont ceux qui seraient en faveur. Après que l'enseignante ait lu à voix haute l'album Coltaille, les élèves doivent donner leur opinion écrite sur le renouvellement hypothétique d'un char d'assaut par l'armée canadienne. Pendant la Seconde Guerre mondiale, la radio a été un outil de communication efficace, souvent censuré ou utilisé pour des fins de propagande. Dans cet esprit, en guise de synthèse au projet, l'enseignante propose aux élèves de créer une émission de radio pour informer le public sur la Seconde Guerre mondiale.